m'appelle Jeanne Eyre. Je suis née en 1820, une rude époque de transition en Angleterre. Fortune et situation étaient les seules choses importantes. La charité n'était qu'un mot froid et désagréable. La religion, trop souvent, portait un masque de bigoterie et de cruauté. Il n'y avait pas la moindre place pour les pauvres et les malheureux. Je n'avais ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. J'ai passé mon enfant chez ma tante, Madame Reed de Gated Hall. Je ne me souviens pas qu'elle m'ait jamais dit un seul mot aimable. Doucement, Bessie, elle mord. Sors un peu de là, Janet. Madame Rick demande que tu ailles la voir au salon. Allez, frappe. Je t'en prie, allez, Charles. Frappe. Entrez. Monsieur Brocalos, voici l'enfant en question. Elle n'est que la nièce de feu, mon cher époux, dont une sœur a fait un tel mariage que tous les membres de la famille préfèrent oublier. Depuis la mort de sa mère, elle a vécu dans cette maison. Oui, j'en suis bien certain. Elle a reçu de vos mains tous les soins qu'une dévouée bienfaitrice peut donner généreusement. Approchez, petite fille. Quel est votre nom? Jeanne Eyre. Eh bien, Jeanne Eyre, êtes-vous une enfant sage? Sage, il vaut mieux, je crois, n'en pas trop parler. C'est ainsi. Encore ce matin, elle a traité son jeune cousin avec brutalité, sans la moindre provocation. Ça, c'est faux. Jeanne. C'est lui qui m'a battue. Silence. John, chérie, est-ce que cela serait vrai, dit? Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai que tu m'as cogné la tête par terre et tu m'as fait mal. C'est pas vrai. C'est vrai. Silence. C'est vrai. C'est vrai. Tu mens et tu es d'une odieuse lâcheté. Voyez, monsieur Brocalhurst, elle est méchante et elle est menteuse aussi. Oui, je constate. Approchez, Jeanne. Nous avons à parler tous les deux. Rien n'est si laid sur terre qu'une enfant méchante. Savez-vous où vont les enfants méchants après leur mort? Ils vont en enfer. Et qu'est-ce que l'enfer? Un abîme plein de flammes. Devriez-vous tomber dans cet abîme pour y brûler éternellement? Oh non, monsieur. Alors que devez-vous faire pour éviter cela? Ne jamais être malade et vivre toujours. Mais des enfants de votre âge meurent tous les jours. Il y a une semaine, une petite fille de 5 ans est morte. Elle était douce et sage. Dieu a recueilli son âme. Et que deviendra votre âme, Jeanne Eyre? Je ne vois pas pourquoi elle serait condamnée à l'enfer. Vous ne voyez pas, mais d'autres voient clair et listent en vous, n'est-ce pas, Madame Roy? On vous a déjà parlé de Lowood? Non, monsieur. C'est une école pour orphelines sans fortune. Mes terres sont très proches de Lowood et ça me permet de m'occuper activement de cette bonne œuvre. Voudriez-vous aller à cette école, petite fille? Oui, mais alors je ne reviendrai plus. Je ne sais pas si Tandrine voudrait. C'est votre chère bienfaitrice qui a suggéré ce projet. Vous aimeriez y aller? Oh oui. Vous avez de la chance, plus que vous ne le croyez. Maintenant, il faut demander à Dieu de changer votre cœur insensible, de vous faire plus soumise, plus humble et pénitent. Je vous prie d'être assurée, Madame Reed, que mon seul et unique but est de collaborer avec le Tout-Puissant. Bessie? Oui, Jeanne. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, je m'en irais d'ici avant que je sois tout à fait grande. Et tu n'as même pas de chagrin de quitter ta vieille Bessie. Est-ce que Bessie s'ennuiera de moi? Elle ne m'a jamais donné de punition. Je crois tout de même que ça m'ennuie d'avoir à vous quitter. Que ça t'ennuie. Et c'est tout? Et si je te demande de me donner un gros baiser avant de partir, tu vas répondre que ça t'ennuie? Au contraire, pas volontiers, Bessie. Tu es si drôle, si renfermée, si seule. Je te donne cette broche, Jeanne. Garde-la en souvenir de moi. En route et dépêche-toi. Sois toujours sage. Je vais prier pour ton bonheur. Merci, Bessie. Au revoir. Au revoir, Jeanne. Je pars, Madame.
horrible. Je vous déteste et je déteste tout ce qui vous approche. Jamais je viendrai vous voir quand je serai grande. Jamais je vous appellerai ma tante aussi longtemps que je vivrai. Et si on me demande comment vous étiez avec moi, je dirai que vous êtes bête, que votre cœur est une pierre. Et c'est méchant, que rien que de vous voir, ça me rend malade. De français, des leçons d'histoire et des leçons de musique aussi. Et il y a là-bas des centaines d'enfants qui joueront avec moi. Et comment donc s'appelle cette école rêvée? L'école de Lowood. Lowood. Voilà l'enfant. Ça fait 3 heures qu'elle dort. On s'en va, vieux. Je devais, en m'éveillant au matin, voir tous mes rêves de Lowood détruits. À leur place, il n'y avait qu'une école qui ressemblait plutôt à une prison, dominée par la froide et implacable cruauté de M. Brockenhurst. Mademoiselle, cette enfant s'appelle Jeannère. Elle est encore jeune. D'apparence, on la croirait semblable à vous toutes. Aucune difformité ne la signale comme une nature dangereuse. Nul ne pourrait penser que l'esprit du mal a déjà trouvé en elle une servante et une associée. Hélas, cet enfant a un cœur de glace. Dorénavant, je vous prie d'être en garde contre elle. Ignorez son exemple. Évitez sa compagnie. Excluez-la de vos amusements. Et ne l'acceptez pas dans vos conversations. Quant à vous, mesdames, il vous faut la surveiller. Pesez chacune de ses paroles. Étudiez chacun de ses gestes. Il faut châtier son corps pour sauver son âme. Car il est de mon devoir de vous avertir, et ma langue a peine à vous dire cela, que cet enfant si jeune est né dans un pays chrétien ne vaut guère mieux qu'un de ces païens des lointaines contrées qui adorent Bouddha ou Brahma et qui rampent devant leurs idoles. Elle est dangereuse, c'est une hérétique. C'est là sur cet escabeau et défense de lui parler de toute la journée. T'as entendu ce qu'il a dit? Tu sais qu'il vous défend d'adresser la parole. Allez, prends ça. Je suis pas méchante. Non, vraiment, c'est pas vrai. Mais je le hais, je le hais. Tu sais que ça n'est pas bien. Qu'il aille au diable!
Je croyais trouver ici un peu d'affection parmi de bonnes amies. Je veux de vrais amis à aimer. Et de bons amis qui m'aimeraient tendre avec moi. Pour avoir près de moi quelqu'un qui me comprenne, je ne sais pas ce que je ferais. Je resterai des jours sans manger. Ou bien je me laisserai battre. Tu as tort de dire ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mange ton pain, Jeanne. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez le repas que nous allons prendre et les aliments que votre libéralité nous accorde pour réparer nos forces. Afin de mieux vous servir, nous vous en remercions et nos cœurs seront éternellement reconnaissants de votre générosité. Amen. Hélène, où va cette route? Tu le sais très bien, voyons. À Bradford. Mais après Bradford? Derby, je suppose, à Nottingham et à Londres. De Londres à Douvres et ensuite on est en France. Et on traverse les montagnes et on voit l'Italie. Et c'est Florence et Rome et Madrid. Madrid n'est pas en Italie, Jeanne. La route y conduit, c'est tout comme. Eh bien, tu vois, nous irons un jour, j'espère, ensemble, Hélène, dans une jolie voiture à quatre chevaux. J'aurai de beaux cheveux ondulés, ainsi que les tiens. J'aurai appris tous les poèmes célèbres. Je jouerai du piano, je ferai de la peinture, presque aussi bien que toi. Encore dans les nuages, Jeanne. Oh, docteur Rimmer. Tu connais une petite fille qui sera bien en retard pour l'inspection? Non, sûrement pas cette fois-ci, je parie que j'arriverai avant vous. Cette toux dure toujours, ça m'ennuie, Hélène. Il va falloir qu'on s'en occupe. Ah, 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 ah. Merci. Vos salles de place sont vraiment trop froides, Monsieur Brocklehurst. C'est un principe de la maison, Docteur Rivers. Notre but est de fortifier l'âme ici, plus que de choyer le corps. J'ignorais en effet qu'une mauvaise toux fût une chance de salut, mais je ne suis pas théologien. Au revoir, monsieur. Si je puis émettre une opinion, si j'ai besoin de votre opinion, je vous la demanderai. Johnson, vous pointez ce manteau beaucoup trop, rentrez-le. Edwards, je désire que vous teniez la tête droite, compris. Je veux désormais ne plus vous voir prendre cette attitude. Miss Catcher. Apportez-moi les ciseaux immédiatement. Et puis-je savoir ce que veut dire ceci? Pourquoi, en dépit de tous les plus sévères préceptes et principes de cet établissement, cette jeune personne porterait-elle des boucles? Elle frise naturellement, monsieur. Miss Catcher, de combien de fois vaut-il vous dire que rien ne nous force à nous conformer à la nature? Je veux que toutes ces petites connaissent la grâce. Monsieur, arrêtez! Tendez les miens à la place si vous voulez, mais monsieur... Silence! Serait-ce donc l'esprit qui prévaut à Lockwood? Folle vanité? Révolte? Insurrection? Je le briserai net! J'apporte ceci pour Hélène. Il faut lui en frictionner la poitrine. À Hélène, docteur? Oui, je suis inquiet pour ses bronches. J'en ai parlé à Monsieur Brock. Grand Dieu, madame, que font ces enfants sous la pluie et sans rien? C'est Monsieur Brocklehurst, docteur. Bien, faites-les rentrer tout de suite. Mais que dirais-je à Monsieur Brocklehurst? Vous me l'enverrez, Monsieur Brocklehurst, je m'en charge.
Avec votre permission, docteur Rivers, je vais faire une ultime prière. Seigneur miséricordieux, guidez hors des ténèbres cette misérable pécheresse. Faites que le sentiment de sa faiblesse puisse donner vigueur à sa foi et gravité à son repentir. Amen. Les desseins de la Providence sont impénétrables, docteur Rivers. Est-ce la Providence qui a envoyé ses enfants sous la pluie? Docteur Rivers. Est-ce la Providence qui a conduit cet enfant à la tombe? Oui, à la tombe, monsieur Brocklehurst. Hélène. Oh, je suis si triste. J'ai entendu le docteur Rivers dire... Oh oui, j'ai peur. Je n'ai pas du tout peur, Jeanne. Hélène. Tu n'as pas chaud. Couche-toi et couvre-toi. Viens avec moi. Voyons, console-toi. Je ne veux pas que tu pleures, Jeanne. As-tu moins froid? Oui? Bonne nuit, Jeanne. Bonne nuit, Hélène. Oh, si seulement il t'avait laissé tes cheveux. Hélène, tu dors encore? Il fait jour. Hélène. Jeanne. Viens, Jeanne. Non, je veux rester ici. Je veux rester près d'Hélène. Hélène est loin. Elle est au ciel. Jeanne, n'oublie pas ce que tu dis dans ta prière quotidienne. Que ta volonté soit faite. Crois-tu que Dieu aimerait te voir abandonner tout entière au désespoir? Dieu veut que l'on devienne brave et fort. C'est cela que Dieu veut que tu fasses. J'essaierai. C'est bien. Et n'oublie pas que plus tu souffres, plus Dieu te vient en aide. Maintenant, lève-toi, je vais te ramener. Non, docteur, je n'aime pas l'école, je ne m'y retournerai pas. Non, jamais. Jeanne. Et le devoir, sais-tu ce que c'est? Le devoir, c'est ce que tu as à faire, même si tu n'en as pas envie. Je vais souvent le jour ou la nuit dans la tempête pour donner des soins, moi. Parce qu'il le faut et parce que c'est mon devoir. Et quel est ton devoir, Jeanne? Je n'en sais rien. Tu le sais, Jeanne. Dans ton cœur, tu le sais parfaitement. Ton devoir est de te préparer à servir ton Dieu partout au monde. N'est-ce pas vrai? Et qui servira bien le Seigneur? Une femme ignorante ou une femme instruite? Oui, tu connais la réponse. Dis-moi, où te donne-t-on l'instruction, Jeanne? Où donc? À Longwood. Bien sûr, Jeanne. Retourne donc tout de suite et sans te plaindre à l'école. Souviens-toi qu'il faut être prête à tout souffrir. N'est-ce pas vrai? Je suppose que c'est vrai. Bien, Jeanne. Oui, très bien. Naturellement, messieurs, nous avons eu au début quelques difficultés dues à l'obstination habituelle chez tout enfant. Mais, depuis presque 10 ans, je suis nos dures leçons et j'ai pu la remettre définitivement sur le chemin du bien et de la vérité. Nous pouvons faire sa connaissance. C'était notre intention. Que l'on m'envoie à R. Inutile de rappeler les avantages pécuniaires de prendre pour institutrice une pupille de chez nous. Une étrangère voudrait, c'est probable, moitié plus cher. R, le moment est solennel. Aurais-je pu imaginer jadis que l'enfant, presque à l'état sauvage, que je recevais dans cette institution, ferait de tels progrès qu'en 10 ans, elle deviendrait institutrice ici même? Oui, institutrice.
car tel est l'honneur que ces messieurs viennent sur ma recommandation de vous accorder. Pour cet emploi, mon enfant, nous payons 20 guinées, prélevant sur cette somme pour la maison, pas plus de 10 guinées pour frais de nourriture et d'entretien. Et votre nouvelle fonction commencera à la fin de l'année. Je ne vous retiens pas plus longtemps, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Le courrier, monsieur. C'est tout, R. Non, je n'accepte pas cette offre. Et pourquoi, je vous prie? Je ne veux plus rester à Longwood. Ça, alors, c'est un comble. Quelle ingratitude! De quoi donc devrais-je être reconnaissante? De 10 ans de tristesse et d'esclavage? Taisez-vous! Toujours la forte tête. Je vois que décidément, je serai constamment déçu. Et où pensez-vous aller dans ces conditions? Loin d'ici, n'importe où. Loin d'ici, n'importe où. Savez-vous comment le monde traite les pauvres sans amis ni relations? Je compte trouver une place d'institutrice, monsieur. Ah, une place d'institutrice. J'ai fait passer une annonce pour m'en aller. Oh, et vous avez reçu, c'est fort probable, un nombre impressionnant de réponses. Non, monsieur. Vous n'en aurez sûrement pas. Vous n'avez aucun talent. Vous avez le caractère indiscipliné et un physique insignifiant. C'est une folie de rêver d'une telle situation. R, écoutez-moi. J'oublierai sur fuite car vous n'êtes encore qu'une enfant, mais faites attention. Si vous persistez dans cette voie, je vous préviens que cette maison vous sera fermée pour toujours. Je sais bien, mais je pars, monsieur. Donnez-moi ça, mademoiselle. Et voilà. Jeanne, elles sont rares, les jeunes femmes qui osent affronter le monde toutes seules sans rien. Mais le devoir te guide, et je sais que tu resteras sur la bonne route. Dernière limite. Non, mettez 20 guinées et ils sont à vous. Je vous demande pardon. Est-il venu une personne de la part de Madame Fairfax de Thornfield Hall? Pas à ma connaissance, madame, mais asseyez-vous dans la salle, je vais demander. Quelle est cette jeune personne, ça? Je ne peux pas vous dire, elle vient d'arriver. Bien, avec mes compliments, dis-lui que je lui offre un verre de madère. Entendu. Le monsieur qui est là vous présente ses compliments et vous demande d'accepter de prendre un verre de madère avec lui. Oh non, je regrette. Je ne le connais pas. Mademoiselle R? Oui, en effet, monsieur. Et vous venez de Thornfield? Vous êtes sans doute la gouvernante? Oui, oui, c'est moi. Vous n'avez que cette valise? Oui. Madame Fairfax, que vous êtes là. Merci.
Comment allez-vous, mon enfant? Vous avez dû faire un voyage bien fatigant. Je suis Madame Fairfax. Mais votre main est glacée. Oh, venez, je vais vous conduire tout de suite à votre chambre. Tout à l'heure, j'ai eu soin de vous faire un bon feu dans la cheminée. Et dans le lit, il y a depuis une heure une bonne bouillotte. Vous savez, je suis bien contente que vous soyez venue. Vivre ici sans autre compagnie que celle des servantes n'est pas particulièrement réjouissant. Je peux vous le dire, depuis l'avenue du mauvais temps, nous n'avons vu d'autres créatures que le boucher et le facteur. Aurais-je le plaisir de voir Mademoiselle Fairfax ce soir? Mademoiselle Fairfax? Vous voulez dire Mademoiselle Adèle? Ce n'est pas votre fille? Oh, hélas, non. Adèle est italienne. Je n'ai pas de famille. Aucune famille. Voici la chambre de Monsieur Edouard. Il est en voyage, bien entendu, mais je tiens toujours sa chambre prête. Ses visites sont toujours si inattendues, si soudaines. Il est toujours par nous et par vous. Ah, ce Monsieur Edouard, dans le fond, il m'effraie. Monsieur Edouard? Qui est Monsieur Edouard? Mais le propriétaire de Thornville. Oh, la maison n'est pas à vous. La maison? Mon Dieu, non, certes. Je ne suis que la gouvernante, moi. Thornfield appartient à Monsieur Edouard Rochester. Et la petite Adèle est sa pupille. Voici votre chambre, ma chère. Elle est plutôt petite, mais je pense que vous y serez mieux. Dans les grandes, il fait très froid. Oh, mais elle est charmante. Je ne peux pas comprendre comment un monsieur qui a une telle demeure y vienne si rarement. C'est étrange. Plus tard, vous verrez que très fréquemment, Monsieur Edouard agit étrangement. Bonsoir, ma chère. Bonsoir. Adèle, hein? Tu ne sais pas à quoi je songe, Adèle. Eh bien, je songe que jamais de ma vie je ne fus réveillée d'aussi charmante façon. À la maison, il y avait souvent des amis à maman. Et alors, j'ai dansé devant les belles dames. Voici sur le genou, je sentais pour elles. J'adorais ça. Et où était-ce? À Paris, quand nous vivions à Paris. Mais quand maman un jour est retournée chez le bon Dieu, Monsieur Rochester est venu. On est partis tous deux sur l'eau, sur un très grand bateau, avec une cheminée qui fumait tant. Et j'ai eu mal au cœur. 5, 6 et 3. Vous l'aimez, vous, Monsieur Rochester? Je ne l'ai pas encore vu. Voici son fauteuil. Il s'assied, puis sans arrêt, il regarde le feu. Il fait cette tête-là. Il est si vilain que ça? Deux fois plus vilain. C'est que je l'imite très mal, vous savez. Mais je suis sûre qu'il est très gentil. Oh, souvent, il me fait de magnifiques présents. Mais quand il est en colère, c'est terrible. Mademoiselle, je suis la Sainte Vierge de m'exaucer. Que Dieu protège Monsieur Rochester. Et fasse qu'il soit poli avec mademoiselle, car je veux qu'elle ne me quitte plus jamais, non jamais. Amen.
Puis-je faire quelque chose? Retirez-vous de mon chemin. Je regrette d'avoir effrayé votre cheval. Vos excuses n'arrangeront pas ma cheville. Ici, pilote! Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? J'attends que vous vous soyez remise en selle. Ah, vous êtes une entêtée. D'où venez-vous? Chez M. Rochester. Il a le château plus loin. Connaissez-vous M. Rochester? Non, je ne l'ai pas encore vu. Vous êtes une domestique du château? Je suis la nouvelle gouvernante. Ah. Vous êtes la gouvernante. Donnez-moi mon fouet. Merci. Maintenant, retirez-vous de mon chemin. Chère, enlevez vos affaires. Il demande déjà à voir la nouvelle gouvernante. Qui? Non, Monsieur Rochester, évidemment. Il est arrivé à cheval tout à l'heure sans prévenir. Il est d'une humeur exécrable. Il paraît qu'il vient d'avoir un accident. Je ne sais pas quoi faire. Il ne veut pas qu'on aille chercher le docteur. Oh, mon Dieu, et votre chapeau? Voici Mademoiselle Eyre, monsieur. Eh bien, mademoiselle, avez-vous une langue? Monsieur, j'attendais que vous me parliez. Excellent, mais la prochaine fois que vous rencontrerez un cavalier, ne vous mettez pas en travers de son chemin. Je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Vous ne l'avez pas fait exprès. Et pourtant, j'ai mal à la cheville. Asseyez-vous, mademoiselle. Dites-moi d'où vous venez. Je viens de l'orphelinat de Lowood. Lowood, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un orphelinat de jeunes filles. J'y suis restée 10 ans. 10 ans? Il me semble qu'il faut tenir à la vie, oui. Je ne m'étonne plus que vous ayez l'air de sortir d'un autre monde. Je me demandais où vous aviez déniché ce visage. Quand vous avez brusquement surgi devant moi, j'ai pensé au fait de la lande. J'étais sur le point de vous demander si votre pouvoir ensorcelait mon cheval. Et je n'en suis pas sûr encore. Où sont vos parents? Je n'en ai aucun. Et votre maison? Je n'ai aucun foyer. Quel hasard vous a amené ici? J'avais mis une annonce et Mme Fairfax est entrée en rapport avec moi. Ah, et vous vous êtes dépêché d'arriver juste à temps pour me faire tomber de cheval. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné à Lowood? Est-ce que vous jouez du piano? Un peu. J'en étais sûr. C'est la réponse consacrée. Allez au salon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi si j'ai l'air de vous commander. J'ai l'habitude de donner des ordres et de les voir exécuter. Je ne peux changer mes façons de faire pour une seule personne. Prenez une lumière et laissez la porte ouverte. Asseyez-vous au piano et jouez quelque chose. Vous pianotez, oui, c'est ça, comme toute écolière studieuse sans talent. Mettons que vous jouiez mieux que l'écolière moyenne. Rien de brillant. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. Quelle sorte d'homme était donc ce maître de Tantfield, si orgueilleux, cynique et dur?
Instinctivement, je sentis que cette humeur cinglante était la conséquence d'un coup malheureux du destin. J'appris par la suite que j'avais deviné juste et que sous ce masque de dureté, il y avait un cœur torturé, une âme tendre, douce et généreuse. À quoi pensez-vous encore? Je vous ai déjà dit 100 fois que je ne voulais plus vous entendre crier ainsi. Vous faites trop de bruit, Grace, je vous l'ai déjà dit. Oh, est-ce que je vous ai dérangé, ma chère? Excusez-moi, je suis désolée. Il fallait que je dise un mot à Grace Paul. C'est la personne qui nous fait de la couture. Son langage est souvent très répréhensible, mais elle fait son travail comme il faut. Et cet entretien avec Monsieur Rochester? Est-il toujours aussi nerveux et abrupt? Bah, il est quelquefois très irritable, comme tout le monde. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur, mon petit. Pourquoi lui pardonner à lui plus qu'à un autre? D'abord parce que c'est sa nature, et puis aussi parce qu'il n'a pas eu une vie très heureuse. Que voulez-vous dire? Des histoires de famille. Je crois que c'est pour cela qu'il vient rarement à Thornfield. Cette maison lui rappelle des souvenirs pénibles. Allons, bonne nuit. Bonne nuit, Madame Fairfax. Célibataire endurci, et quand je les entends, cela n'éveille en moi aucun souvenir agréable. D'ailleurs, dans cette maison, je n'ai guère le choix que d'écouter les inutiles bavardages d'une vieille femme assez sotte. Aujourd'hui, je me sens d'humeur un peu plus sociable et communicative, et je crois que vous pourriez m'amuser. Vous m'avez beaucoup intrigué, mademoiselle, ce premier soir où vous avez joué pour moi. Et je vous avais pourtant presque oublié. Mais maintenant, je ne veux en faire qu'à ma guise, et n'agir que selon mon plaisir. Et il me plairait en ce moment de vous étudier et de vous connaître. Asseyez-vous, mademoiselle. Non, ne vous reculez pas. Laissez donc cette chaise là où je l'ai mise. Avancez-vous encore. Vous êtes trop loin comme ça, je ne peux pas vous voir. Je n'ai vraiment pas l'intention de déplacer ce fauteuil où je suis parfaitement bien. Je dois sans doute avoir quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en train de m'examiner, mademoiselle. Et vous me trouvez élégant? Non, monsieur. Vraiment? Je vous demande pardon, j'ai été trop franche, ma réponse était maladroite. D'accord, et vous allez pour cela me fournir des explications. Est-ce que mon visage ne vous plaît pas? Que pensez-vous de mon front? Ai-je l'air idiot? Non, monsieur, pas loin du monde. Pensez-vous que j'ai l'air d'un homme courtois et bon? Loin de là, monsieur. C'est vrai, mademoiselle. Je ne suis pas un homme bon. Bien qu'autrefois, j'ai eu une sorte de tendresse de cœur. Vous en doutez? Non. Depuis, les infortunes diverses m'ont ballotté durement et sans égard. Aujourd'hui, voyez-vous, je suis plus endurci et insensible que le caoutchouc dont on fait des balles. Avec peut-être bien un point sensible perdu dans le milieu de la poitrine. Cela laisse-t-il de l'espoir pour moi? L'espoir de quoi, monsieur? Ma retransformation possible de caoutchouc mort en bonne chair vivante. Vous avez l'air éberlué, mademoiselle. Et un tel air vous va très bien. Puis cela empêche vos yeux scrutateurs d'interroger mon visage. Vous ne répondez rien, mademoiselle. Vous ai-je froissé?
Oui, vous êtes fâché. Et avec raison, j'ai exposé ma requête d'une façon absurde, c'est vrai. La vérité, une fois pour toutes, c'est que je ne cherche pas à vous traiter en inférieur, mais... j'ai fait des expériences diverses et toujours malheureuses avec des hommes de tous les pays et roulé ma bosse sur tout le globe pendant que vous, vous passiez tous les jours de votre vie chez les mêmes gens dans un seul cadre. Ne croyez-vous pas que ça me donne le droit de parler en maître et de façon péremptoire? Si cela vous plaît, vous me payez, me logez et me nourrissez pour recevoir vos ordres. Je vous paie. J'avais oublié ce détail. Eh bien, en nous basant sur cela, m'autorisez-vous à manquer de courtoisie parfois? Ah non, pas à cause de cela. Parce que vous aviez su l'oublier et que vous parliez vraiment d'égal à égal. Bon, mais alors, si j'oublie la politesse par trop conventionnelle, vous ne me taxerez pas d'insolence? Je n'irai pas confondre la familiarité avec l'insolence. L'une se conçoit assez. L'autre, il n'est vraiment personne qui puisse la supporter, même pour un salaire. Quelle blague! Le monde est peuplé d'hommes libres qui supportent tout ce qu'on veut pour un salaire. Où est-ce que vous allez? C'est l'heure de la leçon d'Adèle. Non, jeune entêté. Ce n'est pas à cause d'Adèle que vous vous en allez. C'est parce que vous avez peur de moi. Vous cherchez à m'échapper. En ma présence, vous n'osez même pas sourire franchement. Vous parlez sans contrainte. Avouez que vous avez peur. Vous m'embarrassez, mais vous ne me causez aucune frayeur. Est-ce que vous me trouvez jolie, monsieur? C'est ainsi que maman venait saluer sur la scène. Exactement. C'est ainsi q'elle dansait pour faire sortir l'or de toutes mes poches à Milan. Maintenant, je vais danser pour vous. Inutile. Tu vas monter tout droit dans ta chambre. Mais monsieur... Tout de suite. Mademoiselle, nous n'avons pas fini de causer. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je pensais que, en dépit de votre propre infortune, monsieur, vous n'avez pas le droit de rendre malheureuse une enfant innocente. Vous avez raison, je sais. Je ne pensais qu'à moi-même, à mes sentiments personnels, à mes souvenirs. En réalité, la nature aurait pu faire de moi, j'en suis sûr, un homme bon, animé des meilleurs sentiments, mais les circonstances en ont décidé autrement. Oh, j'avais le cœur tendre autrefois. Oui, très tendre. Mon cœur est mort depuis longtemps et la vie me laisse quoi? Ce joujou, cette jolie petite fleur artificielle. Allez-vous-en maintenant. Mademoiselle. J'ose espérer que vous serez bien ici à Thornfield. J'espère aussi. J'en suis sûre. À la bonne heure. C'est fini. On a sûrement voulu vous tuer tout à l'heure. J'ai entendu nettement des pas dans la galerie. Je préviens Madame Fairfax. Madame Fairfax, pourquoi diable la réveiller? Laissez-la donc dormir. Asseyez-vous. Vous allez rester ici. Surtout, ne faites pas de bruit.
quand vous êtes sorti de votre chambre, avez-vous vu quelque chose? Non, qu'un chandelier qui était par terre, mais j'ai entendu un rire. Et rien d'autre? Si, monsieur, une porte qui claquait. Et ce rire, l'aviez-vous déjà entendu? Il y a une étrange femme, une certaine Grace Poole. C'est ça. Grace Poole. Vous avez deviné. Bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais en attendant, ne dites rien de tout cela à quiconque. Adèle, nous oublions la petite. J'ai eu terriblement peur. Voyez donc avec quoi elle dort. Pauvre petite Adèle, qui essaie de se consoler toute seule de ma brutalité à son égard. Cet enfant a la danse dans le sang et la coquetterie jusqu'au bout de chacun de ses petits doigts. Une fois, j'ai eu la mauvaise idée d'être amoureux de ceci et d'être jaloux de cela. L'amour est une étrange chose, mademoiselle. On est certain que la personne aimée n'a pas de cœur, n'a ni esprit ni scrupule. Et l'on souffre néanmoins chaque fois qu'on apprend qu'elle vous trahit. J'ai eu la satisfaction de mettre au moins une balle dans la peau d'un rival heureux. Et la danseuse, si jolie et sans cœur. Fait croire à Adèle qu'elle est morte. La vérité est loin d'être si touchante. Je lui ai remis une somme d'argent et je l'ai chassée. Peu après, elle a décampé avec un artiste peintre. En me confiant cette poupée dont je suis le père, paraît-il. Je vous éclaire jusqu'à votre chambre. Eh bien, mademoiselle, maintenant que vous savez qui est votre élève, le rejeton d'une petite danseuse italienne, je suppose que vous allez me demander de chercher pour elle une autre gouvernante. Adèle a eu si peu d'affection. J'essaierai d'être une meilleure pour elle. Êtes-vous donc vouée à soutenir l'orphelin et l'abandonner? Oui, quand il le mérite. Croyez-vous que je mérite que vous sauviez ma vie? Si un malheur vous arrivait, ma peine serait sincère. Mais vous m'avez sauvé la vie cette nuit, et je voudrais vous dire toute ma sincère reconnaissance. Je suis sûr que c'est le bon Dieu qui vous a mise sur mon chemin. Bonne nuit, Jeanne. Bonne nuit. Mademoiselle, n'est-ce pas terrible? Nous aurions pu tous griller dans nos lits. Où est-ce que monsieur s'en va si tôt? Il a vaguement parlé d'une grande réception à Millcote. Dieu seul sait combien de temps il restera absent. On ne peut jamais savoir avec monsieur Rochester. C'est peut-être bien un jour, un an ou un mois. Madame Fairfax. Oui, mon petit. Est-ce que monsieur Rochester vous a dit comment le feu s'est déclaré? Mais naturellement. Il avait dû lire un peu et puis s'est endormi sans éteindre la chandelle. Et les rideaux ont flambé. Pourquoi demandez-vous cela? Ça ne m'étonnerait pas d'apprendre que c'est à cause du feu que M. Rochester est parti. Quel rapport pourrait-il bien y avoir? Il me disait ce matin qu'il ne tenait pas en place et que la maison, rien qu'avec nous, était insupportable et trop triste pour lui. Ici. Personne n'a le droit de venir ici. Est-ce que tu entends? C'est compris? Allez, va-t'en.
Le mystère de la tour l'avait-il écarté de moi juste au moment où nous semblions être si près l'un de l'autre? L'hiver fit place au printemps. Je ne reçus aucune nouvelle. Mais je trouvais un refuge dans la gentillesse d'Adèle. Ces messieurs. Bien, madame. Ma chère, vous êtes revenue, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a tant à faire ici. Léa, restez avec moi pour conduire ces dames jusqu'à leur chambre. Oui, madame. Imaginez qu'il ne m'a même pas dit combien il y aurait d'invités. Il a juste dit de préparer les meilleures chambres et de prendre des extras. Ils arrivent, madame. Ciel, mais ils sont au moins 20 de plus que je n'avais prévu. Quelle est la personne qui est à côté de M. Rochester? C'est Blanche Ingram, ma chère. On ne vous a rien dit, Mademoiselle Ingram et M. Rochester? Ça fait des années qu'ils l'admirent. Je ne serais guère surprise que ça finisse par un mariage un de ces jours. Une bien jolie fille, n'est-ce pas? Où est le vin, Mademoiselle Ingram? Le voilà, il arrive. Adèle, pourquoi es-tu encore ici? Oh, mademoiselle, laissez-moi regarder. Non, tu es sur le passage. Avez-vous vu que Blanche, depuis très longtemps, lui fait du charme? Édouard est un homme extraordinaire et énormément riche. Oh, mademoiselle, Monsieur Rochester veut que vous ameniez Adèle à ses invités après le dîner. Mais non, Adèle peut y aller sans moi. Il a dit cela, mais ce n'est qu'une politesse. C'est ce que je pensais, et je lui ai dit que vous n'aviez pas l'habitude du monde. Mais il a répondu que si vous refusiez, il irait vous chercher lui-même. Bien entendu, mettez votre plus belle robe. Ma chère, c'est la noire, la mieux. Ils arrivent, mademoiselle. Bonsoir, madame. Bonsoir. Quel est votre nom? Adèle. Allons, Blanche, ne taquinez pas Monsieur Rochester. Et venez, mon ange. Elle est merveilleuse.
chanter comme un angelo, mezzo-soprano. Monsieur Chester, je peux chanter, s'il vous plaît? Je crois que nous avons eu assez de musique. Oh, Edouard, j'ignorais que vous aimiez les enfants. Non, je ne les aime pas. Allez, va. Alors, pour quelle raison vous êtes embarrassé d'elle? Je ne comprends pas. Où l'avez-vous donc ramassée? Je ne l'ai pas du tout ramassée. On me l'a laissée pour compte. Ah, bien, je suppose que vous avez une gouvernante pour elle. J'ai vu une personne près d'elle tout à l'heure. Où est-elle donc? Tenez, elle est là. Elle se cache dans un coin. Demandez donc à maman ce qu'elle pense des gouvernantes. Les gouvernantes? Ne me parlez pas des gouvernantes. J'ai enduré le martyr avec ces créatures. Les meilleures sont détestables et les autres sont grotesques. Comment allez-vous? Mais très bien. Pourquoi donc n'êtes-vous pas venu me voir dans le salon? Je ne voulais pas vous déranger, vous paraissiez occupé. Et qu'avez-vous fait, Jeanne, pendant mon absence? J'ai continué les leçons d'Adèle. C'est drôle, ce que vous avez l'air pâle et fatigué. Vous êtes malade? Oh non. Vous n'avez pas pris froid la nuit de l'incendie? Non, monsieur. Retournez au salon, Jeanne. Il n'est pas l'heure de se coucher. Je me sens assez lasse. Oui, et surtout déprimée. Je ne suis pas déprimée. Mais je suis sûr que si. Tellement déprimée qu'un simple mot de pluie et les larmes couleraient de vos yeux. Ces larmes, les voici. Des étoiles dans un ciel bleu. Qui diable est-ce encore? Je voudrais voir Monsieur Rochester. Qui dois-je annoncer, monsieur? Annoncer Monsieur Mason. Monsieur Mason de Spanish Town, la Jamaïque. Bien, monsieur. Mason. Spanish Town. Je voudrais bien être dans une île et ne plus voir que vous. Loin, bien loin des dangers. Loin des soucis et de tant d'affreux souvenirs. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai besoin d'aide, c'est près de vous que je la chercherai. Je vous le promets. Jeanne, si mes invités me crachaient au visage brusquement, que feriez-vous? Je les chasserais de votre demeure, monsieur, si je pouvais. Si mes invités et amis, me toisant d'un regard dur et froid, sans un mot repartaient sans me saluer, un par un, alors, partiriez-vous avec eux? Je resterai avec vous, monsieur. Pour chasser ma peine? Oui. Et je ferai tout pour vous consoler. Edouard. Je ne serai pas assez hypocrite pour dire que vous êtes le bienvenu ici. Suivez-moi, messieurs. Savoir. La voici. Edouard, vous n'êtes pas blessé, dites-moi. Rangez ce pistolet, mon colonel. L'artillerie ne chasse pas les cauchemars. Les cauchemars? C'est tout ce que c'était. Une des domestiques a fait un mauvais rêve et s'est réveillée en criant. La morale de ceci est qu'il faut manger très légèrement le soir. Maintenant, vous pouvez regagner vos chambres. Lady Ingram, donnez donc l'exemple. En tout cas, je suis presque désappointée. Je me faisais une joie de voir mon oncle Pierre fuir un voleur. Voyons, Blanche, ne vous moquez pas. Bonsoir, Edouard. Dormez bien, ma courageuse Blanche. Jeanne, êtes-vous éveillée? Oui. Alors ouvrez vite. Soyez
Suivez-moi, sans bruit surtout. Vous ne vous trouvez pas mal à la vue du sang? Oh, je ne sais pas, monsieur. Donnez-moi la main. Ça ne vaut pas un évanouissement. N'ayez aucune crainte. Jeanne, peut-être serez-vous choqué, effrayé par ce que vous verrez. Je vous prie de ne chercher aucune explication. Vous saurez tout un jour. Quelles que soient les apparences, ayez confiance en moi. Je vais rester un peu dans cette chambre. Avec cet homme, je vais chercher un chirurgien. Vous épongerez la plaie ainsi, sans arrêt. Surtout ne lui parlez à aucun prix s'il revient à lui. Vous avez bien compris? Oui. Quoi qu'il puisse arriver, ne sortez pas de cette pièce. Quoi qu'il puisse arriver, il ne faut pas ouvrir. À qui que ce soit. Entrez, docteur, tâchez de faire très vite. Vous avez 30 minutes pour faire le pansement et descendre le blessé à votre voiture. Édouard, hein? Je crois que je vais mourir. Allons donc, vous avez perdu un peu de sang, voilà tout. Elle s'est acharnée sur moi telle une tigresse. Elle criait qu'elle m'arracherait le cœur. Restez tranquille, Mason, ne parlez pas trop. Jeanne. Qu'y a-t-il? Allez vous habiller, Jeanne. Descendez par derrière et ouvrez le portail en bas de la tour. Vous verrez là une voiture. Dites au cocher d'attendre. Nous descendons dans un moment. Mason, vous aviez juré de ne jamais venir. Je croyais agir pour son bien. Quel idiot! Quel idiot! Et maintenant en route, docteur, il faut que nous sortions d'ici. Depuis si longtemps que j'essaie de garder mon secret. Il ne faut pas que cette honte revienne à la lumière. Prenez soin de lui, docteur. Ne le laissez pas partir de chez vous avant qu'il soit guéri. Édouard. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous serez bon avec elle, n'est-ce pas? Qu'elle soit bien traitée, avec tendresse autant que possible. Je fais de mon mieux, tout ce que je peux et comme je le dois. Jeanne, venez ici quelques minutes. Ici, au moins, on respire. Ce château est une prison, un sépulcre. Ici, au moins, tout est frais, si réel et si pur. Vous avez passé une étrange nuit, Jeanne. Vous êtes toute pâle. Monsieur Rochester, allez-vous quand même garder Grace Paul? Oui. Grace Paul va rester. Malgré ce qu'elle a fait? Ne cherchez pas d'explication. Faites-moi confiance quand je vous dis que j'ai des raisons pour cela, de bonnes raisons. Je peux compter sur vous, Jeanne, je suis sûr. Je suis à votre service, monsieur, pour tout ce qui est bien. Et si je vous demandais de faire une chose que vous jugeriez être mal, que feriez-vous? Ma jeune amie se tournerait vers moi très tranquille, très pâle et dirait... Oh non, monsieur, c'est impossible. N'est-ce pas vrai? Jeanne, je veux que vous essayiez de comprendre.
Supposez simplement que vous êtes un jeune homme insouciant que la vie a toujours gâté largement. Imaginez que vous vous trouvez dans un pays étranger et qu'un jour votre jeunesse vous pousse à commettre une erreur. Une erreur qui ne vous permet plus d'apprécier la saveur des moindres joies. Dans votre désespoir, vous parcourez le monde cherchant en vain la paix dans des plaisirs trompeurs. Et puis, tout à coup, voilà que s'offre à vous une chance de régénération. Et de vrai bonheur. Avez-vous alors le droit d'enjamber les obstacles qu'imposent les simples convenances? Dites-moi, Jeanne. En avez-vous le droit? Comment puis-je répondre, monsieur? C'est votre conscience qui peut seule prendre ses décisions. Mais s'il est impossible de prendre une décision, si vous avez peur de compromettre l'objet le plus tendrement chéri et de détruire brutalement ce que vous voulez protéger, oh, Jeanne, vous devez me maudire de vous importuner de la sorte. Vous maudire, non, monsieur. Donnez-moi l'assurance certaine. Vos mains sont gelées. Elles étaient plus chaudes cette nuit. Jeanne, passerez-vous d'autres veillées avec moi? Oui, chaque fois que cela pourra servir. Par exemple, la veille même de mon mariage, viendrez-vous bavarder avec moi? Est-ce que vous allez vous marier? Sûrement, pourquoi pas. Il veut croire qu'il est aux épuisés. Peut-être supposez-vous que personne ne voudra de moi. Vous avez tort, vous ne connaissez rien de nos jeunes mondaines. Ce n'est pas qu'elles admirent ma personne, mais je vous assure que toutes lorgnent ma bourse. Blanche. Oh, mon cher Édouard, ça n'est guère élégant de nous abandonner de cette façon. Mm-hmm. Un autre courtois doit s'occuper de ses invités. Ma chère Blanche, quand donc saurez-vous que je n'ai jamais été courtois et que je ne le serai jamais? Splendide. Merci, ma chère amie, merci. Merci. Édouard, c'est fou. Je suis ravie d'apprendre que vous partirez pour Londres avec nous demain. Vraiment? Je n'en savais rien. Bien sûr, vous le préférez autrement. Et maintenant, Édouard? Poussez l'habit rouge dans la pochette. Édouard, est-ce que cette personne vous cherche? Je m'excuse, monsieur. J'ignorais que vous étiez occupé. Je suis à vous, mademoiselle. Ces dames nous excuseront certainement. Les gouvernantes, maman. Je m'excuse, monsieur, mais j'ai entendu dire que vous partiez de bonne heure demain matin et je voulais vous demander un certificat. Un certificat? Pourquoi diantre avez-vous besoin de certificat maintenant? Pour trouver une autre place, monsieur. Hmm? Je... Vous disiez que bientôt, n'est-ce pas, vous alliez vous marier. Oui, alors? Vous mettriez Adèle dans une grande école. Pour qu'elle soit éloignée de ma femme, qui autrement pourrait se montrer pour elle certains jours trop autoritaire. Mais votre remarque est pleine de bon sens, Jeanne. Adèle, c'est vrai, doit être mise à l'école. Et vous devez aller au diable, c'est cela, hein? J'espère que non, monsieur, à moins que ce ne soit le diable qui réponde à ma demande d'emploi. Demande d'emploi? Auriez-vous déjà mis une annonce? Pas encore, monsieur, mais je vais le faire. Vous ne ferez rien du tout. Quand l'heure sera venue de vous chercher une situation, j'en aurai une pour vous. Vous entendez? Je vous remercie. Au revoir, monsieur Rochester. Au revoir, mademoiselle. Jeanne. Est-ce tout? Cela est bien guindé, à mon avis. Sec et inamical. Ne ferez-vous rien de plus que de dire tout juste au revoir? Mais je vous tendrai la main. Oh, vous me tendrez la main. Au revoir, Jeanne. C'est un magnifique séjour que votre Thornfield. Oui, en tant que prison, ce n'est vraiment pas mal. Une prison, mais c'est un paradis. Oui. Naturellement, si l'on devait vivre ici, il faudrait avoir aussi une maison à Londres, n'est-ce pas? C'est indiscutable. Et aussi un appartement à Paris et peut-être bien une petite villa sur la Méditerranée. Ce serait délicieux, ça, vraiment. Mais Thornfield serait toujours préféré comme une retraite loin du monde. Un grand havre d'amour et de joie. D'amour? Qui est-ce donc qui parle d'amour? Tout ce que demande un homme, c'est un peu de distraction.
C'est de remplir sa maison de belle femme dont la présence fait que pour un moment il ne pense plus à toutes ses peines et perd de vue le douloureux mystère de son pauvre cœur. C'est-à-dire quand il a un cœur. Hein? Et parfois je me demande, Édouard, si vous avez réellement un cœur. J'ai jamais fait ou dit quoi que ce soit qui vous permette de croire que j'en ai un. En ce cas, je vous assure que ça n'a pas été intentionnel. N'êtes-vous jamais sérieux? Jamais plus sérieux qu'en ce moment, excepté peut-être pendant que je mange à mon dîner. Réellement, Édouard, vous vous montrez si vulgaire et si grossier quelquefois. Croyez-vous que je pourrais me montrer sous un autre jour? Oh, sans doute. Aurais-je pu venir à Thornfield s'il n'en était ainsi? Ah, c'est un point très épineux, Blanche. Auriez-vous pu ou non? Commençons par l'examen des données de cette affaire importante. D'abord, M. Rochester est révoltant de grossièreté et aussi laid qu'un singe. Je n'ai jamais entendu. Je vous en prie, ma chère Blanche, je répète, aussi laid qu'un singe. Et ensuite, il flirte parfois, mais il évite avec adresse de parler d'amour et de mariage. Néanmoins, et ceci est le troisième point, Lady Ingram est en ce moment un peu dans la gêne, alors que le révoltant M. Rochester est assuré d'un revenu de 8000 livres sterling. Et devant ces faits, quelle est l'attitude que la belle Blanche peut prendre par intérêt? D'après mes expériences en ce bas monde, je suis bien sûr qu'elle ignorera la grossièreté, etc., etc., jusqu'à ce que le brave M. Rochester soit sûrement accroché. Allons, allons, ne niez pas. Je n'ai jamais été de ma vie insulté aussi brutalement. Insulté, je vous fais le plus noble de tous les nobles compliments en parlant avec cette honnêteté. Monsieur Rochester, vous êtes une brute et un goujat. Voyez loin. J'ai changé d'avis. Ou plutôt, les Ingram ont changé d'avis. Pourquoi ce chagrin? Je crois que d'ici peu, je vais quitter Thornfield. Vous vous êtes très attaché à cette petite sotte d'Adèle, n'est-ce pas? Et à cette bonne vieille Fairfax. Oui. Cela vous fait de la peine de les quitter? Oui, monsieur. C'est toujours ainsi dans la vie. On vient à peine de s'arrêter dans un endroit agréable que le destin vous oblige à partir. Je vous l'ai dit, monsieur, quand le moment viendra, je serai prêt. Le moment est venu. Alors, c'est décidé. Tout est décidé, même jusqu'à votre future situation. Vous avez une place pour moi? Oui. Jeanne, j'ai trouvé dans l'est de l'Irlande. Je crois que les Irlandais vous plairont car ils ont beaucoup de cœur. C'est loin, dites-moi, monsieur. Loin de quoi, Jeanne? Loin d'Angleterre et loin de tant de fils. Oui. Et loin de vous aussi. Oui, Jeanne, c'est assez loin. Et quand vous serez là-bas, je ne vous reverrai probablement plus. N'avons-nous pas été de bons amis? Aussi. Et voyez, les amis eux-mêmes doivent se séparer. Profitons des instants qui nous restent, Jeanne. Asseyons-nous ici tous les deux. Même si nous ne devons plus jamais nous y asseoir. J'éprouve quelquefois un sentiment étrange pour vous. Quand je vous sens tout près, tout contre moi surtout. Je sens en moi une sorte de chaîne rivée au fond de mon cœur si solidement. De l'autre côté, cette chaîne est attachée à votre cœur, aussi bien attachée. Et c'est pour ça, Jeanne, que je pense vraiment que s'il me fallait un jour vous voir partir, cette chaîne se briserait brusquement en moi. J'ai l'impression bien nette qu'un jour, en effet, mon cœur souffrira. Et vous, Jeanne, vous oublierez sûrement. Non, ça jamais, monsieur, j'en suis certaine. Je vois la nécessité de partir, mais à la façon dont on voit la nécessité de mourir. Où voyez-vous cette nécessité? Dans votre mariage. Quel mariage? Je ne vais pas me marier. Mais ça viendra un jour. Oui, ça viendra un jour. Ça viendra. Pourrais-je rester ici sans jamais devenir rien pour vous? Vous croyez parce que je suis pauvre et obscure et simple que je n'ai pas un cœur aussi? J'ai une âme comme vous et un cœur qui bat comme le vôtre. Et si Dieu avait pu m'offrir fortune et beauté, je crois que me quitter vous ferait autant souffrir que cela me fait souffrir de partir. J'ai laissé parler mon cœur maintenant, laissez-moi seul. Jeanne, Jeanne, oh étrange enfant, être presque surnaturel.
Oh, vous que j'aime encore plus que la vie. Vous ne moquez pas, vous moquez pas. Vous le savez, je n'aime pas Blanche. C'est vous que je veux. Répondez-moi, Jeanne, tout de suite. Dites Édouard, je vous épouserai. Dites-le, Jeanne, dites-le. Je veux lire dans vos yeux. Dites-le vite. Dites Édouard, je vous épouserai. Édouard, je vous épouserai. Mon Dieu, pardonnez-moi. Toutes mes craintes, toutes les ombres effrayantes qui planaient sur Thornfield semblèrent s'évanouir, brisées comme l'arbre par la foudre. J'aimais et j'étais aimée. Aux heures radieuses, j'imaginais la réalisation de mon bonheur. Jeanne, mais que diable faites-vous? Je donne une leçon à Adèle. Des leçons? Le ciel a changé, la terre a changé, et vous donnez encore des leçons à Adèle? C'est normal de faire ça. Mais tu sais que je vais épouser mademoiselle et emmener mademoiselle dans la lune. Nous chercherons un beau coin dans une blanche vallée. Mademoiselle ne nous quittera plus jamais. Qu'est-ce que tu en dis? Monsieur, je suis sûre qu'elle fera une jolie mariée. Elle est mieux que Madame Fairfax. 3 mètres de celle-là et 7 étoffes écossaises. Je vous dis que je n'en porte pas. Et 7 étoffes écossaises et 6 mètres de cette soirée. Si vous oubliez, je dis, madame, qu'en ce moment, on en trouve tant qu'on en veut un peu partout. La bonne aventure, ma beauté. Allez-vous-en, vieille sorcière. Laisse-moi lire l'avenir de cette jolie personne. Non, sorcière, cette jolie personne va être ma femme. Comme ça, notre avenir, nous le ferons ensemble. Charge tous deux, comme vous répondrez au jour du jugement dernier, quand les secrets de tous les cœurs seront divulgués, si l'un de vous connaît un empêchement par lequel vous ne pourriez être légitimement unis, que le confesser ici. Car nous sommes assurés que si certaines personnes sont unies l'une à l'autre, autrement que ne le prescrit la divine loi du Seigneur, ils ne sont pas unis par Dieu, et nous savons que leur mariage est illégitime. Édouard Rochester, acceptez-vous de prendre pour épouse légitime cette jeune fille? Un instant, s'il vous plaît. Il y a empêchement à ce mariage. Poursuivons la cérémonie. C'est impossible. Monsieur Rochester a une femme qui est vivante. Qui êtes-vous? Mon nom est Briggs. Je suis avoué de Monsieur Mason. Le 20 octobre 1824, Édouard Rochester, de Thornfield, a épousé Berthe Mason à l'église Sainte-Marie de Spanish Town, à la Jamaïque. Les actes de ce mariage furent copiés sur les registres de l'église du lieu. C'est vrai, je le jure, j'étais présent. Je sais qu'elle vit à Thornfield, je l'ai vue, de mes propres yeux vus. Je m'appelle Mason, je suis son frère. Rangez votre livre, il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Au lieu de cela, je vous invite tous à la maison pour voir une pauvre malade. Ma femme. Arrière, rentrez chez vous, il n'y a pas une mariage. Je n'ai pas besoin de félicitations. Vous venez 15 ans trop tard. Regardez, messieurs, c'est ma femme. Et la descendante d'une famille de fous. Avec qui l'Église et la loi m'ont lié pour toujours sans espoir de divorce. Et voici celle que je voulais épouser. Cette jeune fille. Qui reste si calme, bien qu'elle ait l'enfer sous les yeux. Regardez la différence. Et jugez-moi. Thank you.
Jeanne. Jeanne. Je ne connaissais pas cette créature. Je n'avais que 19 ans quand un jour j'ai épousé à la Jamaïque une fille que d'autres avaient courtisée avant moi. Et je l'ai épousée, Jeanne. Sans réfléchir, pauvre imbécile aveugle que j'étais. Jeanne, écoutez-moi. J'ai subi les douleurs d'un être jeune vivant près d'une épouse livrée tout de suite à l'intempérance et à l'inconduite. Ses vices et ses excès l'entraînèrent bientôt au pire des ordres. Je la ramenais avec moi en Angleterre, à Thornfield. J'ai tout tenté pour la guérir de son mal, je vous le jure. Et je m'enfuis de cette maison. Mon but était de trouver enfin la femme que j'aimerais. Le contraire de la furie qui me faisait horreur. Et sur quoi suis-je tombé? Sur une ballerine italienne, une modiste viennoise et une charmante comtesse qui n'en voulait qu'à ma fortune. Puis, de retour en Angleterre, je décidai de regagner Thornfield. Je vis soudain passer à travers le brouillard une étrange petite créature légère comme un elfe, dont la soudaine apparition fit cabrer mon cheval et qui voulut me porter secours. Elle devait en vérité être mon ange gardien, un ange adorable. Et quelques instants plus tard, vous vous rappelez, n'est-ce pas, Jeanne? Dites que vous vous rappelez. Oui, je me rappelle. Vous êtes venue dans cette pièce. Que vous étiez timide. Et ce jour-là, avec quelle assurance vous donniez tête à mes questions. Et vous m'avez charmé. À ce moment, j'ai su que je vous avais trouvé. Jeanne, pouvez-vous me pardonner? Je vous pardonne. Et vous m'aimez encore? Je vous adore, Edouard, de tout mon cœur. Je vous le dis aujourd'hui car je ne vous reverrai plus. Pensez-vous que nous puissions vivre séparés l'un de l'autre? Restez près de moi, Jeanne. Nous ne ferons de tort à personne. Mais nous pourrions connaître le remords. Pensez-vous que ce soit si terrible de m'aimer à s'empêcher? Si je voulais, je vous briserais entre mes mains. Mais votre esprit ne pourrait m'appartenir. Jeanne, vous vous en allez? Oui, je m'en vais. Vous ne serez plus mon réconfort, mon ange gardien, mon amour, mes folles aspirations. Tout cela est-il fini? Dieu vous garde, mon cher maître. Qu'il vous protège du mal et du péché. Là, là, là. Je n'avais pas de but. Je ne pouvais aller nulle part. Sans référence, je ne pouvais trouver aucun emploi. J'ai connu la faim et les nuits sans sommeil. Puis, malgré moi, les souvenirs du passé me ramenèrent à Gateshead Hall, à Bessie qui avait été bonne pour moi. Bessie. C'est bien moi, Bessie. Si vous cherchez de l'ouvrage, il ne faut pas venir ici pour espérer en trouver à l'heure qu'il est. Vous semblez très lasse. Si vous avez froid, approchez-vous du feu. Asseyez-vous, mon petit. Qui vous a donné cette broche? Auriez-vous oublié, Bessie, c'est vous? Jeanne! Jeanne Eyre! Que tu es grande et quand tu es partie il y a si longtemps, tu n'étais encore qu'un bébé. Ça passe le temps. C'est ta pauvre tante. Oh, ne dites pas à tante Reed que je suis ici, ni à mon cousin John, ni à personne. Monsieur John nous a quittés, il est mort. À 20 ans, il a voulu partir tout de suite pour Londres. Il s'est mis à jouer et à boire. Des centaines de livres que sa mère a dû payer pour ses dépenses. Alors elle a fermé la maison et a dû renvoyer les autres servantes. Mais il avait besoin de plus en plus d'argent. Et en décembre, il s'est suicidé, Jeanne. Un matin, il s'est pendu dans sa chambre. Les cartes étaient sur la table. Évidemment, il avait perdu. On a appelé madame. Ça lui a donné un tel coup.
qu'elle ne s'en est jamais remise. C'est vous, Bessie? Oui, madame. Qui êtes-vous? Allez-vous-en. C'est moi, Jeanne Tantrille. Jeanne Eyre. Jeanne Eyre. Non, personne ne saura jamais les ennuis que m'a causé cet enfant. Une petite pauvresse qu'on aurait dû mettre tout de suite à l'asile. Jeanne. Oh, ne t'en va pas, Jeanne. Reste, ne me quitte pas. Je vais rester ici. Oh non, monsieur, madame ne reçoit plus. Il y a des mois qu'elle est malade. Je regrette, je voulais précisément lui demander des nouvelles de sa nièce, Jeanne Eyre. Ah, voulez-vous entrer un instant, monsieur? Merci. Merci. Il y a un monsieur qui veut te voir, Jeanne. Je n'ai pas envie de le voir. Je ne veux pas voir qui que ce soit. Allons, ne dis pas de bêtises. À ton âge, ma petite Jeanne, il faut voir du monde. J'irai m'occuper de ta tante. Allez, va au salon, voyons. Jeanne. Qui vous a dit que j'étais ici? Je l'ignorais. Je vous cherchais depuis longtemps. J'ai reçu une demande qui vous concerne, voilà déjà quelques jours. Vous avez laissé la place que vous aviez trouvée en Écosse. Est-ce que c'est exact? Que s'est-il passé? J'ai dû la quitter. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous importuner. Néanmoins, je dois vous expliquer l'origine et le but de cette lettre qui nous furent mises par le notaire de Millcote. Il s'adresse à moi. En effet, c'est mon nom que vous aviez donné comme référence avant d'entrer à Thornfield. C'est tout près de Millcote, n'est-ce pas? Un de ses clients désire connaître votre nouvelle adresse. Savez-vous qui vous recherche? Jeanne, n'en parlons plus si ça vous est trop pénible. Merci, docteur Rivers. C'est à vous de décider. Préférez-vous que je ne réponde pas du tout? Allons, messieurs, qui dit mieux? Mais ça vaut trois fois plus. Deux livres douche-là, à Bill. Adjugé à Bill. Adjugé. Enlève-moi ça, Bill. Un appel si profond, si pressant qu'il fallait que j'y réponde et que j'y réponde vite. Et c'est seulement quand je sus ce qui lui était arrivé, c'est seulement quand je revis ce visage torturé que ma décision fut tout à fait prise. C'est elle qui a fait tout cela. Elle a frappé Grace Paul pendant qu'elle dormait et elle a mis le feu à Thornfield.
C'est son rire dans la galerie qui m'a réveillée. Je suis allée chercher Adèle, je l'ai enveloppée dans un châle et je l'ai fait descendre. Et en arrivant en bas dans la cour, j'ai de nouveau entendu son rire. Je levais la tête, elle était en haut, sur le toit. Elle riait en agitant ses bras vers le ciel. Monsieur Édouard l'a vu, lui aussi. Il n'a rien dit, mais il est retourné pour essayer de la sauver. Tout ce côté de la maison était en feu. Il y avait de la fumée partout. Puis le vent la dispersa, et alors je vis Monsieur Édouard derrière elle, sur les créneaux. Elle le vit aussi. Il s'avança pour l'aider à descendre. Un moment, elle resta immobile. Mais quand il fut tout près d'elle, elle poussa un cri terrible. Et elle s'élança dans le vide. L'instant d'après, la malheureuse était par terre à nos pieds, les membres brisés. Elle était morte, Jeanne. Et Monsieur Édouard? Le grand escalier s'est effondré pendant qu'il redescendait. Que faites-vous par ici? Adèle vous attend pour dîner. Oui, monsieur. Ici, Péon. Qui est là? Qui êtes-vous? Je suis revenu, monsieur. Édouard. Oui, voici ses doigts. Ses petits doigts fins et tendres. Ses cheveux. Son visage doux comme une fleur. Et son cœur aussi, Édouard. Jeanne! Vous ne ressentez plus pour moi que pitié. Je ne veux pas de votre pitié. Édouard. Vous n'allez pas gâcher votre vie avec un malheureux comme moi. Vous êtes jeune et fraîche. Il faut vous marier. Gardez-moi, Édouard. Maintenant, gardez-moi, Édouard. Jeanne, nous appartenons l'un à l'autre. Les mois passèrent. De nouveau, il vit la lumière et sentit sa chaleur. De nouveau, il vit la splendeur du soleil, le mystérieux enchantement de la lune et enfin l'étoile du soir. Et un jour, lorsqu'il tint notre premier-né entre ses bras, il vit que son fils avait hérité ses propres yeux, tels qu'ils furent autrefois, grands, brillants et sombres.